Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des défis Fortnite de la troisième semaine. Et le défi d'aujourd'hui est la troisième étape. Il faut visiter Frosty Flight et Loot Lake en une seule partie. Alors comme vous pouvez le voir, là je viens d'atterrir et ça l'a validé directement. Et là, je dois aller à Loot Lake. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de quad ou de... comment ça s'appelle, d'overboard pour y aller directement. Mais j'ai les petites bulles de sphère, les nouveaux véhicules qui sont arrivés hier ou avant-hier, je sais plus c'est quand. Enfin bref, on s'en fout. Là, je vais prendre la petite bulle de sphère et j'y vais de ce pas ou, si on peut dire, de ce roulement. Mais c'est, je suis pas marrant. Enfin bref. Frosty Flight se trouve à peu près au sud-ouest ou ouais sud-ouest de la carte au niveau de la neige là juste ici, et là je me dirige à Loot Lake qui se situe au-dessus de Tilted. Alors avec ce véhicule ça peut paraître super long, mais si vous découvrez le véhicule vous pouvez vous amuser en y allant en même temps et c'est super marrant quoi. Vous pouvez vous amuser. Et en même temps les amis, pendant que je suis en train de faire mon petit trajet jusqu'à Loot Lake, je vous invite sincèrement à vous abonner à ma chaîne, car je me suis lancé un petit défi, et ce défi est d'atteindre les 200 abonnés avant la fin du mois de mars. On est déjà le 14 mars et je suis déjà presque à 150 abonnés. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de gigantesque, car pour moi YouTube je l'ai lancé sans savoir si ça allait fonctionner, et je vois que ça fonctionne déjà sans abonnés. J'étais vraiment super content quand j'ai reçu une notification comme quoi j'étais à 100 abonnés. J'étais super fier, je me suis dit je vois que ça fonctionne bien, mes vidéos ça leur plaît vraiment et je vais pas lâcher de sitôt et continuer. Enfin bref, sur ce abonnez-vous quoi, ça me ferait super plaisir. Alors revenons à nos moutons. On peut voir que je m'approche petit à petit de Loot Lake. Je vais mettre le turbo, même si c'est pas vraiment un turbo sur ce véhicule, c'est un petit saut. Et comme vous pouvez le voir, sur ce véhicule, le grappin est plus long. Et voilà, visiter Frosty Fly et Loot Lake a été validé. Ce défi est la troisième étape. Pour visiter les endroits, et j'ai tout fini. Sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de la partager à vos amis, et surtout, comme je viens de vous le dire, abonnez-vous. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci les amis, merci.